Avant de faire partie de la famille royale, le prince George et la princesse Charlotte sont frères et sœurs. Et à en croire les informations du site du magazine américain People, âgés respectivement de 6 et 4 ans, ils éprouvent déjà une grande affection l'un pour l'autre. Ils ont presque le même âge et ils passent beaucoup de temps ensemble, donc ça aide à créer des liens, a déclaré un proche de la famille royale dans les colonnes du magazine. Les rencontres avec les étrangers peuvent être difficiles, alors ils apprennent à s'appuyer l'un sur l'autre. Des étrangers, la petite princesse va très vite y être confrontée puisqu'elle va faire son entrée à l'école en septembre 2019. Heureusement, elle pourra compter sur le soutien de son grand frère, déjà scolarisé dans le même établissement depuis 2 ans. Les enfants de Kate Middleton et du prince William sont scolarisés à Thomas Battersea, une école privée à 20 600 euros par an située à moins de 5 km de la maison familiale de Kensington Palace. Elle a hâte d'être avec George à la grande école. Elle est tellement excitée, rapporte encore le proche de la famille royale. Déjà que la princesse Charlotte passait son temps à courir après son frère, selon les dires de Kate, avec son arrivée à l'école, ça ne devrait pas s'arranger. Des frères et sœurs au caractère différent, les deux aînés du couple ont un caractère très différent. George est plus réservé et est d'ailleurs sans doute élevé avec en ligne de mire la fonction de monarque. Après son grand-père, le prince Charles, et son père, le prince William, il est le troisième dans l'ordre de succession. De son côté, Charlotte est beaucoup plus démonstrative et sociable. Elle apparaît toujours très souriante et n'hésite pas à jouer avec les photographes. Concernant le petit dernier de la fratrie, Louis âgé de 1 an, son caractère n'est pas encore très bien défini, mais ses futures apparitions publiques devraient nous éclairer.